Hello, bonjour. Je vais parler de François Hollande et Julie Gayé. Vous connaissez l'annonce du jour ou d'hier. C'est leur mariage. Finalement, Julie Gayé et François Hollande se sont mariés. Ils se sont mariés à la mairie de Tulle, en Corrèze. C'est une ville où l'ancien président de la République française possède une maison et une ville qu'il aime beaucoup. Ils se sont mariés après 8 ans. Le temps passe vite quand même. 8 années qu'ils sont ensemble. Donc, on en a vu des vertes et des pas mûres. Hein. Et elle a aussi avalé des couleuvres. Donc, du coup, peut-être c'est la bonne personne pour lui. Celle avec qui il va finir sa vie. Auparavant, il était avec Ségolène Royal, la maman de ses enfants. Ici, on apprend que était présent à la cérémonie de mariage son fils aîné, Thomas Hollande, qui s'était déplacé avec sa compagne Émilie Brossolo. Voilà. En tout cas, toutes nos félicitations au couple, hein, et on leur souhaite que du meilleur et de bonnes années de bonheur ensemble, en espérant bien sûr qu'on n'entend plus parler des tromperies de la part de François Hollande. C'est fou ce que François Hollande a du succès avec les femmes, hein. Il a un physique assez, on va dire, difficile, hein, je ne vais pas être méchante, et il est aimé par des plus belles femmes de France. Hein. Julie Gayé, c'est une actrice, ou elle est toujours actrice, il me semble, ou elle était une actrice parmi les meilleures en France. Hein. Très bon jeu, belle, et elle tombe amoureuse de François Hollande. Vraiment, je ne veux pas être méchante ici. En tout cas, félicitations, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.